Bonjour à tous, je suis Sonia Benedetti et aujourd'hui je vous partage une nouvelle astuce. L'astuce du papier aquarelle avec le gros sel. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, je vais commencer par me mettre des petites couleurs ici pour pouvoir diluer un petit peu si j'ai besoin et utiliser ça comme une palette de couleurs. On verra si j'en ai mis assez ou pas. Et un peu de vert. Donc là, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir mettre de l'eau sur tout mon papier. Vraiment, je le baigne. Je mets vraiment beaucoup d'eau, d'accord? Et je vais venir prendre un petit peu de couleur et je vais venir en mettre à des endroits au fur et à mesure. Et donc, si j'ai pas assez d'eau, je peux aussi vaporiser de l'eau un petit peu. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc je reprends un petit vapeau et je remets de l'eau. Pour que ce soit bien mouillé. Vous voyez, j'hésite pas. Hein. Je mets vraiment beaucoup d'eau. Je vais ramener un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon gros sel. D'accord? Et je vais venir le saupoudrer quand c'est encore bien mouillé. Comme ça. Par petits morceaux. Et vous allez voir. La couleur va se concentrer autour des grains de sel. Hop, et on va laisser sécher. Je vous montre de plus près. Vous voyez, ça va se concentrer autour des grains de sel. On le voit un petit peu ici, on le voit un peu là. Et maintenant, on va laisser sécher pour voir ce que ça fait. Donc voilà, ça a séché, vous voyez. Et donc, l'encre s'est concentrée autour des grains de sel. Je vais enlever les grains de sel. Petit gommage du papier. Et voilà. Et là, vous voyez bien la concentration autour des grains de sel de couleur, ce qui apporte en effet waouh. J'espère que cette petite technique vous a plu. Moi, j'adore cet effet. N'hésitez pas à montrer vos créations et à commenter cette vidéo. À bientôt !